Bonjour, merci d'être venu cet après-midi à Sobens. Vous venez donc de Toulouse, des alentours. Donc Rinpoche vous souhaite à tous Tachidele. Rinpoche et les moines sont très ravis d'être ici cet après-midi pour présenter les danses traditionnelles et danses sacrées du Tibet appelées Cham. Et à cette occasion, donc, ils remercient les personnes donc, qui ont rendu cela possible et tout le groupe d'études d'Etienne Chuling. Et ainsi, donc, Rinpoche est ravi d'avoir cette occasion de présenter les danses traditionnelles Cham. Cela donc est inclus dans le programme donc d'un an de tour européen pour la paix que les moines font, et à cette occasion Rinpoche donc beaucoup d'occupations, beaucoup de déplacements et beaucoup d'activités ces derniers jours, et en conséquence il s'excuse de ne pas pouvoir donner les enseignements comme il était prévu donc après les danses. Rinpoche a eu beaucoup d'activités, donc ainsi donc il n'est pas donc au mieux, il était beaucoup occupé et il s'excuse de ne pas pouvoir donner après cela quelques enseignements. Donc, cependant, Rinpoche est très ravi d'avoir reçu cette demande, et il est ravi d'avoir vu que les personnes ont cet intérêt, et ont donc cette demande, l'intérêt de venir ici pour assister aux danses, également l'intérêt donc d'entendre Rinpoche dans les enseignements, ce qu'il ne peut pas faire. Cependant, donc, il y a des grands bienfaits à avoir cet intérêt pour les personnes qui sont intéressées. Rinpoche est ravi de cela pour les personnes qui ont également donc, étudient les enseignements. Rinpoche donc, est ravi de voir donc, que ces personnes continuent leur étude des enseignements. Il est important de comprendre que cette étude, ce changement ne se fait pas en un jour ni après avoir écouté seulement un enseignement, mais c'est une pratique quotidienne qu'il convient de mettre en place petit à petit, jour après jour, et c'est un changement où on essaye de développer des qualités intérieures, et cela se fait à long terme, cela ne passe pas rapidement en une journée, mais il est important de comprendre qu'un petit travail tous les jours à faire, cela permet d'avancer à long terme et de développer des qualités, et ces qualités on les développe pas seulement dans les enseignements bouddhistes, mais il est à comprendre de comprendre que toutes les religions, tous les enseignements ont ce but de développer des qualités et d'avoir des bienfaits pour tous les êtres. Il est important ainsi donc dans nos études, dans notre approche d'un enseignement, de prendre l'essence pour le mettre en pratique tous les jours dans notre quotidien, et l'essence c'est cette harmonie, c'était un esprit ouvert, un esprit vaste qui souhaite donc être bénéfique aux autres et au moins de ne pas nuire aux autres. C'est l'essence qu'il faut mettre en pratique tous les jours dans notre quotidien. Il est très ravi donc de voir les personnes qui s'engagent ainsi jour après jour, continuant donc dans cette transformation, ce développement de qualité intérieure, soit donc quelles que soient les personnes, quelles que soient les cultures, quelles que soient les religions. Rinpoche est très ravi de voir cela.
le moine donc le plus important dans le bouddhisme tibétain, celui qui détient les enseignements, celui donc qui maintient l'harmonie du bouddhisme tibétain, quelles que soient les différentes écoles, et ainsi tous les Tibétains, également bien sûr les moines se considèrent comme les disciples de Sa Sainteté le Dalai Lama, qui est une personne très importante. C'est pour ça qu'avant de commencer les danses, les moines vont inviter Sa Sainteté le Dalai Lama, sa présence, en amenant sa photo et en lui rendant hommage chacun à leur tour. Les moines vont ensuite, dans un premier temps, faire la cérémonie de trusseux, qui est une cérémonie qui est faite afin d'inviter les bouddhas et bodhisattvas d'énergie positive, afin d'éviter tout obstacle, tout inconvénient pour le bon déroulement des danses à venir. Donc ces moines vont faire maintenant des prières et une pratique afin donc, que les danses à venir se déroulent de bonne façon.
Oh, no.
danse de bon augure appelée Tashishowa en tibétain. Cette danse provient de Lhasa, la capitale du Tibet. C'est la plus ancienne danse du Tibet. Les danseurs portent des masques à barbe blanche représentant le saint Tantong Gelpo, qui est le fondateur de l'opéra tibétain. Sendo que eu devo correr na mulher do gosto.
tradition monastique des danses sacrées, appelées cha, à son origine dans des anciennes pratiques bouddhiques. Les grands maîtres ont fait passer leur vision des déités en mouvement à leurs étudiants tout au long des grandes lignées de transmission de maître à disciple. La danse suivante est la danse du chapeau noir. Lors de cette danse, les danseurs représentent des yogis. Ils portant de grands chapeaux noirs, des bottes colorées et de longues robes aux teintes vives. Ils tournent de façon circulaire au rythme des tambours, prenant possession de l'endroit et écartant les esprits négatifs avec leurs pieds. Ainsi, les moines de Serra accomplissent cette danse sacrée dans le but de dompter les forces négatives telles que la violence, la maladie, la destruction ou encore la haine. Thank you.
La danse suivante est la danse du lion des neiges. Le lion des neiges représente la bonne humeur, un état d'esprit libre de doute, clair et précis. Il possède une énergie fraîche et vibrante de bonté, une tendance naturelle à la joie. Au Tibet, le lion des neiges symbolise l'absence de peur et l'élégance de l'esprit éveillé. Thank you.
Associés aux naissances de nombreux Dalai Lama, le 1er, le 7e, le 8e, le 12e et le 14e Dalai Lama. À la naissance du 1er Dalai Lama, sa maison a été attaquée par des bandits. Lorsque les parents du 1er Dalai Lama sont venus voir leur enfant, il était à ce moment-là protégé par une nuée de corbeaux. Également, lorsque le jeune Lamo Dundrup a été reconnu comme étant bien le 14e Dalai Lama, de nombreux corbeaux se sont posés sur le toit de sa ferme, témoignant ainsi de sa condition particulière. Par conséquent, la danse du corbeau invite les protecteurs du Dharma afin de protéger, de guérir le monde, de dompter les énergies négatives.
perturbant le développement spirituel. Cette danse est divisée en quatre étapes. Inviter les Bouddhas, leur faire des offrandes, accomplir des mouvements courroucés afin de surpasser les obstacles, et enfin demander aux Bouddhas et aux Bodhisattvas de retourner dans leur royaume. La danse du cerf est très populaire au Tibet parce que la déité à tête de cerf était considérée comme un très grand protecteur. Thank you.
Maintenant, les moines vont performer la pratique de tchö. Le terme tibétain tchö peut être traduit par trancher ou mettre fin, et cela doit être compris d'un point de vue symbolique et psychologique comme étant la fin de la saisie de l'ego et de ses peurs. Le pratique de tchö est inspiré des enseignements d'un maître indien appelé Padampa Sangye. Les disciples de ce maître considéraient le sutra de la Prajnaparamita, qui est le sutra donc de la sagesse, comme étant le texte sacré le plus important. Ainsi, la pratique de tchö est connue pour son pouvoir de guérison, sa capacité à éliminer les obstacles karmiques nuisant au développement spirituel.
La danse suivante est la danse des maîtres des lieux de crémation. Lors de cette danse, les danseurs portent des masques en forme de crâne humain qui représentent les protecteurs de la religion vivant dans les 8 terres à crémation situées à la périphérie du mythique Mont Sumeru. Les mouvements athlétiques et même enjoués des squelettes sont destinés à manifester l'absence de peur de ceux qui sont passés au-delà de l'ego. Cette danse est habituellement célébrée à la fin d'année au cours d'un festival de 7 jours, lorsque l'ensemble des forces négatives accumulées pendant l'année est purifié. C'est une fameuse danse extraite d'un opéra tibétain qui met en scène la vie d'une famille nomade et de leur troupeau de yaks. La coutume des nomades est d'offrir le beurre frais à la déité après avoir trait la femelle du yak et baratté le beurre. La femelle du yak est appelée la dri. Le yak est l'animal national du Tibet. Voici la danse du yak. Yeah.
meilleur, après t'es gay. Il est beau. Bonsoir. Abindo. Meilleur, après t'es gay. Thank you.
Où est mon regard? Yada! Ne yana ma la soa! Adine ma! Robonga! Michi boutique! C'est ma joie, je la dois! C'est ma joie, je vous dois! Allonge! Man, I love it! Allonge! So I'm very sage! Please help me! Ayoda, si tu ne m'as pas de remasso. La 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 la
Donc maintenant, à la fin, les moines vont faire donc, des prières de dédicace donc, pour dédier cette énergie positive qui a été accumulée cet après-midi. Et donc, ils vont faire des prières pour dédier cette énergie pour la paix et le bonheur dans le monde. Les moines donc, vont se réunir pour faire des prières. Et également, si donc, vous voulez les joindre dans leurs prières, vous pouvez ainsi donc, prier pour la pacification des conflits ou pour la pacification de vos problèmes et de vos difficultés pendant ces prières. Tout le monde ainsi peut joindre ces prières pour la paix et le bonheur dans le monde. Également, Rinpoche tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué et aidé afin de rendre cet événement possible cet après-midi. Toutes les personnes qui ont fait des préparations, qui ont préparé, qui ont apporté leur aide, notamment donc, le centre Dechet. Akshobhya, le centre Akshobhya, donc, et Rinpoche tient à remercier du plus profond de son cœur toutes les personnes ainsi qui ont aidé, et le fait de la part des 5000 moines du monastère de Serra. Et pour remercier toutes les personnes, donc Rinpoche remercie toutes les personnes, et en signe de remerciement, il tient donc. Merci donc, spécialement donc, à Claude, le centre Tsultrim, et à Richard. Merci. Donc merci à eux, et les moines ont apprécié, et tout s'est vraiment bien passé. Vraiment, Rinpoche donc dit qu'il aimerait exprimer dans ses propres mots directement. Donc il y a une petite difficulté, c'est qu'il ne veut pas parler français directement envers vous. Donc il le fait par l'intermédiaire d'un traducteur. Et donc ça peut
prendre du temps également de parler, que l'on traduise, mais sinon vraiment, du plus profond de son cœur, Rinpoche souhaiterait donc vous exprimer directement les remerciements et merci beaucoup. Ainsi, comme il est donc de coutume au Tibet, un signe auspicieux, un signe favorable, Rinpoche tient à offrir une kata blanche donc, à Claude, le centre Tultri, et à Richard, pour les remercier, également pour remercier tout le centre Abchobien. Donc Rinpoche également, du plus profond de son cœur, remercie toutes les personnes donc, qui ont aidé et Rinpoche les remercie du plus profond de son cœur également le fait de la part des 5000 moines du monastère de Serra. Merci à vous tous. Rinpoche tient à remercier également donc, toutes les personnes qui sont venues cet après-midi pour assister à ce spectacle, ces danses traditionnelles tibétaines donc, qui font partie de la coutume, de la tradition du Tibet. Je vous remercie tous d'être venus pour assister à cela. Il espère ainsi que vous avez profité, que vous avez passé un bon moment ici cet après-midi, tout spécialement donc, étant donc, une journée donc, de long week-end. Vous avez pris le temps pour venir. Rinpoche est ravi de cela. Il espère également que vous avez apprécié le spectacle et ainsi que vous allez retourner chez vous avec un esprit ouvert et heureux d'avoir assisté à ce spectacle. Je vois dans ce qu'on a salué.
Il l'ambassade est mort.